Now let's talk about iPhone. iPhone 10 defined the future of the smartphone. It introduced new technologies that is at the cutting edge of what's possible. And along the way, it became the number one smartphone in the world. Oh my God! But what's most important to us is that it's the most loved smartphone with an amazing 98% customer satisfaction. Yes! Yes! Now, today, we're going to take iPhone 10 to the next level. I'm excited to show you what is by far the most advanced iPhone we have ever created. Salut les Gaulois réfractaires. Alors comme vous avez pu le voir, on va reparler d'Apple. Mais là, en plus de répondre aux quelques milliers de commentaires des Apple Addicts dans ma précédente vidéo sur la firme de Cupertino, on va aussi s'intéresser aux nouveautés dont un certain iPhone XS Max. D'ailleurs, à ce compte-là, je dirais encore iPhone X, histoire de vous casser les couilles, car on ne dit pas iPhone 10, mais iPhone 10. Sur ce, générique. La toile s'est encore enflammée entre pro-Apple, des pigeons pour certains, et les autres. Je fais partie des autres. Force est de constater que ma vidéo s'est faite lyncher à ce compte-là, mais en même temps je l'ai un peu cherchée. Et pour celles que vous êtes en train de visionner, vu la miniature, ça risque peut-être d'être pire. Donc les nouveaux iPhones présentés sont ainsi l'iPhone XR, le XS et le XS Max. Pas de grosses nouveautés, hormis l'Apple Watch Série 4, qui est selon moi trop cher, mais ridiculement accessible en comparaison d'une Rolex. Concrètement, le store en ligne a été modifié et exit l'iPhone SE qui était le seul que je me serais bien acheté l'an dernier si seulement j'avais pas déjà pris le Huawei P10. Exit aussi l'iPhone 6 et place aux iPhone 7, 8, XR, XS et enfin X Max. Le modèle X lui a été retiré, j'imagine, pour des raisons de cohérence. Bref, ça fait un catalogue dont l'entrée de gamme est à 700 balles quand même. Enfin bref, je vais quand même vous donner mon avis sur le catalogue restant. L'iPhone 7, oh, il est bof en vrai. L'iPhone 8, lui, est vraiment pas mal. L'iPhone XR, c'est le seul que je recommande avec une encoche. Et Dieu que je hais cette putain d'encoche. L'iPhone XS, non, là t'es un pigeon mec, si tu le prends. Et l'iPhone XS Max, non, là t'es un bon gros pigeonneau bien dodu, bien gras. Bon, je vais expliquer vite fait quand même. Le XR est celui que je recommande si vous désirez un iPhone 9 avec Face ID et la possibilité de faire de belles photos. Il est certes cher, a un rapport qualité-prix pas hyper bon, mais en vrai niveau confort d'utilisation, il est très proche d'un Galaxy S9. Il est aussi puissant que les autres et même si l'écran n'est ni OLED ni 4K, vu la taille, c'est difficile de voir la différence entre du 720 et du 1080 sur du 4,9 pouces. Donc imaginez ça pour le 1080 face à la 4K. En revanche, pour le XS et le XS Max, c'est aussi cher que l'iPhone de l'an dernier, voire un petit peu plus, et on peut aller jusqu'à 1659€. Là, c'est clairement du foutage de gueule pour du 512 gigaoctets de mémoire inutile puisque les gens stockent tout sur un cloud. À ce stade, c'est vraiment du gâchis de pognon. Ok, vous faites ce que vous voulez de votre argent, c'est le vôtre, ça ne me regarde pas. Par contre, si vous achetez un iPhone à plus de 1600 balles, ne venez pas me dire que vous êtes rationnel. Non, ça, non, vous réussirez jamais à me convaincre. Ça sera toujours le problème avec Apple en général, le ratio puissance-prix et qualité-prix sera toujours moins bon que chez la concurrence car Apple ne s'achète pas avec la raison. Et ça, Steve Jobs l'avait parfaitement compris. D'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais jamais Apple n'annonce ses mises à jour d'ordinateur dans ses keynotes. Car, comme le dit si bien Hard Disk,
Parce que c'est vrai que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, Apple avait une super réputation chez les graphistes, les vidéastes et ce genre de métier. Et c'est ancré dans de vrais trucs. C'était beaucoup plus stable par rapport aux PC Windows et ce genre de trucs. Et puis Apple avait de vrais logiciels qui étaient utilisés par tout le monde. Par exemple, le monde de la vidéo, comme je l'ai déjà dit un petit peu avant, était dominé par Final Cut. Apple avait aussi de superbes solutions du côté serveur, c'est-à-dire du côté des machines pour les entreprises qui permettaient de gérer le travail collaboratif, d'organiser et d'archiver des tonnes de vidéos, et stocker de très grosses données de manière efficace. Donc il y a encore quelques années, Apple proposait aux professionnels des logiciels performants, des machines stables, et toute une infrastructure serveur pour tout gérer derrière. Donc ils contrôlaient chaque étape de travail, et ils étaient vraiment leaders dans le monde créatif. Et puis après, c'est passé quelques années, et puis Apple s'est mis à vendre des quadrilliards d'iPhone, et ils se sont dit, en fait, vendre des iPhones, c'est beaucoup plus rentable, donc les pros, allez vous faire enculer. Allez, au revoir, voilà, par là. Et ça a commencé par les logiciels. Apple a lancé Final Cut 10, la nouvelle version de son logiciel de montage qui a été détestée par les professionnels parce qu'en fait Apple avait jeté beaucoup de fonctions utilisées par les pros pour rendre le truc beaucoup plus accessible pour les gens qui voulaient juste monter leurs vidéos de famille. Le problème en fait c'est que ça a du jour au lendemain littéralement empêché certains studios de travailler au calme. Je me souviens qu'à l'époque où c'est sorti, je travaillais dans une boîte de post-production à Paris qui faisait principalement des pubs télé et quand on est arrivé au bureau le matin, qu'on a téléchargé le truc et qu'on a vu ce que c'était, on a littéralement fait une descente d'organes. Je me souviens de trucs qu'ils avaient supprimé qui nous avaient vraiment choqué, c'était le fait de pouvoir faire du montage en multicam, c'est-à-dire de pouvoir monter plusieurs angles de caméra synchronisés en même temps, truc qu'on utilisait genre tous les jours et qui était plus là. C'était l'enfer. En fait, il s'agit surtout d'un marché de niche qui, même si les marges pour Apple sont parmi les plus élevées, ce n'est pas le marché le plus juteux pour cette firme. Bien au contraire, ce marché intéresserait que les pros ou bien que les particuliers vraiment fans de la marque qui peuvent s'acheter des choses quand même assez inaccessibles. On est très loin du consommateur lambda. Outre le prix, le fait que les MacBook Pro mis à jour ne possèdent toujours pas de carte graphique AMD RX Vega ou bien d'Nvidia GTX 1060, 70 ou 80, ça pose problème puisqu'à côté on peut avoir un processeur Intel Core i9 qui est juste l'un des plus puissants du marché, c'est juste aberrant. Avoir un putain de CPU pour finalement être ralenti par un GPU vraiment très moyen. Surtout qu'à côté le stockage SSD est vraiment hors de prix. Non, sans déconner, ce choix de carte graphique est incompréhensible. Je sais que normalement on n'est pas censé jouer avec un MacBook Pro, mais quand même, on pourrait en demander un minimum. Mais bon, ça j'y reviendrai plus tard. Bref, pour faire court, ma critique reste la même que celle de ma vidéo précédente. Bref, cette année, le seul iPhone X que je recommanderais, c'est le XR, car très similaire à ce que Samsung produit, certes un petit peu plus cher, mais ça va quoi. Parce que bon, Samsung, ça reste quand même les premiers à avoir fait un smartphone qui dépasse les 1000 balles. En revanche, tout le reste chez Apple est trop cher pour les faibles ajouts. Bon, pour les critiques, je vais essayer d'y répondre le mieux possible, tout en étant synthétique. La prononciation d'un putain de smartphone, on s'en fout, d'autant plus que j'ai fait exprès. Oui, ma vidéo était sarcastique, et pour le coup, les Apple addicts, vous avez vraiment pas d'humour. Quant à l'encoche, on me signale que la concurrence l'a fait aussi, et ça me les brise prodigieusement. Du coup, dans 2-3 ans, je ne pourrai pas reprendre un Huawei de la même qualité que le P10, bah non, puisqu'il y aura une putain d'encoche. En ce qui concerne la solidité, non, votre expérience n'est pas aussi bonne que celle de UFC Que Choisir, car eux ont testé les smartphones dans des conditions très précises en laboratoire, et plusieurs fois. Donc leur conclusion s'avère bien plus objective que Jean Apple Addict qui fait tomber son smartphone une fois et qui est même pas cassé. C'est ce qu'on appelle un biais de généralisation abusive. Donc oui, si vous prenez un iPhone, n'oubliez pas votre InnoShield. Quant à la puissance de l'iPhone X, elle a été dépassée depuis pas mal de temps. Allez voir la liste d'AnTuTu, qui est une application de benchmark chinois qui fonctionne sur iOS et Android, et fait très précisément les mêmes tests sur iOS comme sur Android. Allez, passons à l'iMac Pro. J'ai pas été très tendre, mais pour le coup, je me base sur l'expérience utilisateur de professionnel sur la vidéo de test de 01net. Et oui, l'un des logiciels n'est pas optimisé, et le professionnel en question le fait remarquer. En réalité, il désire tester la puissance brute de l'iMac Pro, et ce, en utilisant un logiciel pas du tout optimisé. Sinon, quant au fait qu'un Mac ne soit pas fait pour jouer, je dirais une chose, vous achetez un ordinateur pour travailler, sauf que le montage requiert techniquement plus de puissance qu'un jeu vidéo. Alors autant être un peu exigeant vu le prix, hein. On m'a dit aussi que les pros utilisaient Apple parce que c'est ce qu'il y avait de mieux sur le marché.
Non, puisque pour le même prix, vous aurez un ordinateur avec un Intel Core i9 et une carte graphique Nvidia GTX 2080 Ti. Bon, après, j'ai été quand même un poil de mauvaise foi puisque le premier prix de l'iMac Pro a un rapport qualité-prix entre 20 et 30% plus cher, ce qui est loin d'être abusé en comparaison des modèles à 15 000 balles qui, eux, sont clairement faits pour les bons gros pigeons bien dodus. On m'a reproché aussi de ne pas avoir été objectif dans ma vidéo, mais en réalité, j'ai été des plus objectifs en prenant des benchmarks, hein ? Surtout si ces benchmarks sont standardisés et reproductibles. Quant au test, celui des pros est, je pense, largement satisfaisant pour se faire un avis. Après, mon seul regret, c'est la finition des produits de la concurrence, notamment sur les PC portables, qui est très loin d'égaler celle des MacBook Pro. Genre, il y a très peu de marques qui font des PC portables avec des châssis en aluminium, il y a quoi ? Xiaomi et Razer. Alors, pour Xiaomi, faut les importer depuis la Chine et les claviers ne sont qu'en QWERTY. Quant au Razer, bah c'est le même problème que les Alienware, ils sont peut-être un peu trop chers en comparaison des MSI ou des Asus ROG. Mais bon, ça reste toujours plus puissant et moins cher qu'un MacBook Pro 15 pouces, hein, faut pas déconner. Même si bon, en vrai, Razer ça fait quand même méga kikoulol, hein. Et c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu ou si elle ne vous a pas plu, à me faire des suggestions. Aujourd'hui, je partage la chaîne de Bonjour Monde qui parle de technologie avec un montage très qualitatif. Vous n'êtes pas sans savoir que la chirurgie requiert une minutie extrême. La précision d'une opération est telle que le moindre faux mouvement, le moindre geste de travers, peut causer des dommages irréversibles. Et l'humain n'étant pas toujours à la hauteur, il arrive qu'il commette l'erreur. Celle qui privera quelqu'un d'une partie de son corps, voire pire. Voici le robot Da Vinci. Son but est loin de remplacer l'humain, mais il a le pouvoir de faciliter de manière non négligeable la réussite des opérations, principalement situées au niveau de l'abdomen. Maintenant que je vous ai fait découvrir la bête, rentrons dans ses rouages afin d'en comprendre son fonctionnement. La machine est donc disposée en deux parties. L'une, placée au-dessus du patient, comporte quatre bras mécaniques. Il possède principalement les outils nécessaires à l'opération, et une caméra tridimensionnelle de haute résolution qui transmet tout ce qu'elle enregistre à l'autre partie. Cette autre partie est donc directement contrôlée par un humain et nécessite sa présence continuelle pour fonctionner. Bref, abonnez-vous à sa chaîne. Si le cœur vous en dit, j'ai un compte Tipeee. Bref, quant à moi, je vous laisse. C'était Aldraïus. Game!